Allez, bon début de soirée sur Énergie Avignon, c'est l'heure de retrouver Fred. Énergie News. Avec Avignon English School sur anglaisavignon.fr. Salut Fred. Salut Alex, salut tout le monde. Bon, on est plus proche de l'heure de l'apéro que celle du thé, mais on va quand même parler thé nouvelle génération. Les étudiants de l'école supérieure de commerce des industries alimentaires d'Avignon viennent d'être récompensés en fin de semaine dernière à l'issue d'un grand jury nouveau produit. L'équipe Twisté a donc créé un thé sans sachet, gélifié sur un bâtonnet, et ils sont heureux comme Vincent, un des membres de l'équipe. Grosse satisfaction, parce que il y a de ça deux semaines, on avait présenté ça devant nos professeurs et on avait fini, on va dire, en interne premier, et c'est vrai que tout le monde nous attendait un peu aujourd'hui, donc on est très satisfait d'avoir remporté le premier prix, mais aussi on est satisfait d'avoir les échos des professionnels de l'industrie agroalimentaire qui trouvent cette idée, mais je dirais plus ce concept, intéressant, et il y a des personnes qui sont intéressées et qui voudraient bien l'acheter maintenant. Donc pour l'instant on parle de concept, mais on voit peut-être plus loin, on voit peut-être plus grand, et on voit peut-être dans un avenir proche, ben, pourquoi pas que tout le monde twiste avec Twisté. Voilà. Et on pourrait donc bien trouver cette innovation prochainement dans les épiceries fines ou les salons de thé. Bonne soirée. Énergie News.